Salut vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Thierry Capzone, et oui, le dessinateur de Pezzi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pezzi, il a ses 70 ans, et oui, 70 ans déjà. Il a traversé des générations et des générations d'enfants qui sont venus grands, comme moi. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux de recevoir Thierry Capzone. Allez, puis on se dit aussi bon anniversaire Pezzi. For sure, we'll discover great things soon. A new country or an uncharted coast. Mais bonjour Thierry Capzone. Salut Pal, comment vas-tu? Mais ça me fait vraiment plaisir de te voir en Suisse. Eh ben, qu'est-ce qu'on est bien chez vous. C'est magnifique ici, la Suisse. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que je suis arrivé là. Oh là là, mais on mange bien, du chocolat, de la fondue, bon, tous les classiques quoi. Et oui. Puis l'ambiance, et puis la... Oh, écoute, je me suis baladé au bord du lac ce matin de Lausanne, on est à Lausanne maintenant. Fabuleux, fabuleux. Et en même temps, tu viens pour une grosse actualité parce que c'est les 70 ans de Pezzi. Ouais. Et Pezzi, même s'il est danois, mais en même temps, il est un peu suisse. 70 ans, donc pour traduire aux gens qui nous écoutent, les Français, les 70 ans de Pezzi. Oui, écoute, Pezzi marche très, 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 très bien en Suisse. Mais c'est incroyable. Et là, j'en ai profité. Je vais au festival de Fribourg, BD Mania ce week-end. Maintenant, on l'appelle Fribourg parce qu'il n'est pas à Belfort cette année. Et je me suis dit, j'en profitais pour aller visiter la Suisse. Et j'ai contacté les librairies Payot à Genève et Lausanne qui m'ont dit, viens. Et on fait des dédicaces de folie parce que c'est vrai que les gens adorent Pezzi ici. C'est fabuleux. Et en même temps, tu as fait une after parce qu'en fait, ce matin, tu dédicaces à la librairie Belphégor à Lausanne. Alors ça, c'était extraordinaire. Je suis venu ici juste pour voir un peu les BD parce que je suis aussi un grand collectionneur BD. J'en ai beaucoup, beaucoup à la maison. Donc. Et je me suis dit, je vais aller voir un peu les librairies qu'il y a à Lausanne. Et puis, librairie Belphégor, et ben, écoute, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un très grand coup de cœur, des gens fabuleux, et puis des BD partout, des premières éditions qui sont fabuleuses. Et puis les clients viennent, et puis ils disent « Ah bah tiens, vous faites Pezzi, allez, vous pouvez me faire une petite dédicace ?» Et puis bon, j'en ai fait 3 ou 4. Mais en même temps, on te connaît beaucoup avec Pezzi, mais à savoir, bien sûr, il y a 70 ans, c'est pas toi qui as créé Pezzi. Hein. Non, évidemment, Pezzi a été créé par la famille Hansen en 1951, donc le père de Pezzi, le dessinateur William Hansen, et la maman, Carla Hansen, qui elle faisait les histoires, qui écrivait les histoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était des strips qui étaient dans les journaux, qui étaient distribués par le Danois PIB, et qui est très, très, très vite été racheté par Carlsen en Allemagne et par Casterman, donc en Belgique. Mais ce qu'il faisait, il prenait ses strips et il les découpait. Et il remettait les images où il manquait des bouts de dessin. Et donc, ils essayaient d'en faire des histoires qui marchaient assez bien, mais il n'y avait pas vraiment une fin, quoi. Et donc, la famille est morte dans les années 90. Et moi, j'ai repris ça depuis 2009-2010. En commençant donc par des livres illustrés, avec des grandes images, des textes en dessous. Et puis maintenant, c'est de la bande dessinée chez Corrette Édition en Alsace, en France. Là, c'est le troisième album qui vient de sortir hier, qui est sorti hier. Et il est superbe, c'est Pezzi, en fait, c'est le Noël de Pezzi. C'est le Noël de Pezzi. Alors attention, parce que ça aussi, c'est un truc un peu spécial, parce que c'est mon premier scénario. Ah, génial! J'ai fait à la fois le scénario et donc le dessin. Mais alors, ce livre a une petite histoire, c'est qu'en fait, normalement, on aurait dû sortir celui qui s'appelle Pezzi se mouille. Oui. Qui sortira l'année prochaine. Ouais. Et donc, en plein milieu de l'histoire, vers la page 19-20, le scénariste avec lequel je travaille, qui est danois, Per Sønderhage, chope un petit blackout. Il ne peut plus continuer, il bloque. Il dit, merde, il faut que... Il faut continuer la BD. Et il n'arrivait pas à fournir, quoi.
Alors je me suis dit, bah, je vais faire ma propre histoire. Donc j'ai démarré, pendant que Petit Semou était en fabrication, j'ai démarré en parallèle celle-ci. Donc j'ai mis quelques mois pour la faire, scénario, dessin inclus. Et ça a été assez bien, ça a été assez rapidement. J'ai trouvé des histoires, j'ai complété aussi une petite histoire que Hansen avait commencé aussi à la fin de sa vie. Donc il y a 6 pages à la fin qui sont faites par Hansen que j'ai dû redessiner parce que les films n'existent plus. Donc j'ai fait cette histoire, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Petit Semoun a été terminé par le grand scénariste Frédéric Brémaud. D'accord. Oui, qui travaille chez, entre autres, chez Glénat, qui fait des Donald, qui fait Love, cette magnifique série. Donc lui, très gentiment, m'a dit, moi, je vais te compléter le truc, et donc il a fini l'album qui sortira l'année prochaine. Et ce qui est génial, moi j'ai beaucoup aimé le bandeau de Noël de Pezzi, c'est qu'en même temps, il y a un message. C'est-à-dire que, ben, bien sûr, ils vont recréer une nouvelle poste pour envoyer des lettres. Et en même temps, c'est magique parce que, à la mode où maintenant tout le monde s'en envoie un SMS, bah, toi, tu as rouvert une poste en fait imaginaire. C'est exactement l'idée de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se passe par Internet. Quand les enfants veulent envoyer des lettres au Père Noël, bah, ils les envoient par courriel et puis, qui les reçoit. Et là, Pezzi se dit, bah, on va construire une poste et les enfants vont venir envoyer des lettres au Père Noël, les cartes postales. Et il est victime de son succès. Tous les enfants arrivent, tous les personnages de chez Pezzi arrivent. Et la poste déborde de courriers. Et c'est marrant parce qu'en dessinant les planches, celle-ci où on voit, alors je ne sais pas si tu vas voir ça sur oui, ton écran. Super, là. Oui. Voilà, ça m'a fait penser à des gags de Gaston. Oui. C'est marrant, parce qu'en dessinant ça, je me dis, tiens, il n'y avait pas un truc de Gaston comme ça, où il était submergé par des courriers ou des trucs comme ça. Et c'est marrant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et bizarre, ça reste quelque part dans le cerveau, évidemment. Et donc, il y a toute une histoire après, parce qu'il va falloir quand même qu'il livre tout ce courrier au Père Noël. Ah oui. Donc, il y aura la poste aérienne, la poste par train, etc. Donc, c'est toute une histoire. Récemment, dans une interview, on m'a dit, mais est-ce que tu penses pas que Pezzi, c'est un peu vieillot? Mais j'ai dit, mais Pezzi, c'est génial, parce que c'est le monde de l'enfance, avant qu'il soit pris par ce monde d'adulte. C'est vraiment l'enfance où tu fais n'importe quoi. Toi, tu casses un truc pour construire un autre truc. Tu apprends des trucs un peu comme la politesse, mais bon, tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc, ce monde de Pezzi est un monde de folie. Et j'adore travailler avec ces personnages-là. Et pour moi, Pezzi n'est pas vieillot, parce qu'en même temps, en Suisse, il y a 3 générations de lecteurs de Pezzi. C'est-à-dire, nos grands-parents lisaient Pezzi, nos enfants, nous, en fait, tout le monde lit Pezzi. Ouais. C'est ça que je disais, que c'était un peu un héros national suisse, parce qu'on a presque tous appris à lire avec Pezzi, donc c'est magique. Absolument, et c'est ce que je retrouve dans les dédicaces. Mais combien de gens viennent me voir en me disant « Ah, mon grand-père, mes parents, on a ça dans notre maison, dans notre grenier, et je les relis, maintenant je les achète pour mes enfants. » Et je sens justement ce que tu dis dans les librairies, dans les dédicaces, c'est vraiment un pays, le pays de Pezzi quelque part, même plus que le Danemark encore, faut le dire. Et moi, quand j'ai appris que c'est toi qui avais repris Pezzi, je trouve génial, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Et c'est vrai que tu as fait des superbes séries. Hein. Mais en même temps, Pezzi, pour moi, c'était une lettre de noblesse qu'on puisse t'offrir à toi. Bah, c'est vrai que Pezzi, bah, c'est l'héros de génération en génération. Et quand j'ai appris, bah, ça fait quelques années, je sais que tu es au Danemark, on a des contacts ensemble. Et d'un seul coup, dire, bah, c'est génial, tu as repris Pezzi. Mais ce qu'il faut te dire, et ça, c'est quelque chose un petit peu horrible, c'est qu'au Danemark, ils ne veulent pas entendre parler de BD. La BD sur Pezzi, c'est quelque chose qui, non, ils ont beaucoup de licences, ils vendent des licences pour faire du tissu, pour faire des tasses, pour faire des petits personnages, des peluches, mais la BD, non, c'est pas leur truc. Donc j'étais obligé de venir en France. Au début, j'avais contacté Casterman dans début des années 2000. J'avais une petite réunion avec les vendeurs. Les vendeurs m'ont dit, non, Pezzi, on en passe souvent dans nos réunions, mais on a tout le côté français qui ne connaît pas et on a peur que ça ne marche pas. Et la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, c'est trop petit pour nous. Donc non, on ne reprend pas ça. Il faut quand même trouver. Et puis, donc, il y a eu des aléas avec un autre éditeur à un moment donné. Mais maintenant, avec Corrette, qui a repris ça, c'est super. Maintenant, on fait un nouvel album par an. Avec parce qu'on a un dos bleu comme ça. Un superbe dos, oui. Un superbe dos, puis la qualité du papier et tout, c'est génial. Et on fait également la réédition des anciens. On a commencé par l'Alpiniste, avec un dos rouge.
le même format. Donc, quand les enfants ou les familles vont avoir ça dans leur bibliothèque, ça va faire des jolis objets. Ah oui. Ouais. C'est ce qu'on veut également, c'est-à-dire que Pezzi soit remis au goût du jour, mais que ça fasse aussi quelque chose de beau à la maison. Bon, tout le monde se souvient de ces Pezzi au souple, tu sais, de Casterman, avec la couverture orange, là. Hein. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Beaucoup. Bon, on souhaite vraiment faire quelque chose de joli à des prix assez bas, et puis avec des histoires qui tiennent la route, qui soient tout à fait dans l'esprit de Pezzi. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Mais écoute, Paul, tu sais, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, et puis dans ton beau pays, en plus. Eh oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Un joyeux Noël avec Pezzi? Eh ben, écoute, un joyeux Noël avec Pezzi, avec tous ses amis, et puis écoute, Paul, un joyeux Noël à toi aussi, hein, c'est Blancroix dans un mois et demi. Oui, c'est tout bientôt. Merci bientôt. Beaucoup. Thierry Cavzone, joyeux Noël aussi à toi aussi. Allez, salut, mon ami. À tout bientôt. Salut.